Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2 avec ce matin Georges et Laura pour jouer avec nous. C'est leur troisième participation, on leur souhaite bonne chance puisque c'est aussi leur dernière chance de gagner la cagnotte, de remporter la cagnotte. Et ils seront opposés à Patricia et à Céline. Patricia et Céline qui viennent toutes les deux de Picardie et qui sont fans de cinéma. On leur souhaite bonne chance également. Et ça tombe bien qu'elles aiment le cinéma puisque nous avons le sosie officiel de Georges Clounet sur le plateau en plus beau, Thierry Beccaro. Ah, le rire qu'il y a eu, vous avez entendu ou pas? Non, mais attendez, je peux refaire l'entrée parce que là, non, c'est pas possible. On va trouver qui c'est, là, c'est pas possible, ça, Thierry. Un rire moqueur, en plus. Ouais, méchant. Ouais, méchant. Alors que c'est un boulot, ça fait des années devant la glace que je travaille mon clownet tous les jours. Bon, alors il y a madame à droite, madame juste à côté, les trois du fond, enfin tous quoi. Attends, mince. Donc d'habitude c'est Sean Connery, donc vous voyez, bon, je ne me plains pas. Merci beaucoup Tom, en tout cas je suis ravi de vous accueillir et ça fait bien plaisir de retrouver Georges et Laura qui sont là pour la troisième... Et dernière fois, Laura, ça va? Ça va, oui. Donc Laura, qui est étudiante, hein, c'est ça, à Liège? Oui. Et Georges, qui se repose parce qu'il a déjà pas mal travaillé, Georges. Voilà. Voilà, on a passé un excellent moment l'autre jour avec Madly. Vous vous souvenez de Madly? Madly et Stéphanie, la fleur myosotis. Oui. C'est vrai que la traduction le myosotis, c'est « ne m'oubliez pas ». Et ben comme ça... tout le monde s'est trompé sur ce mot, vous n'êtes pas prêt d'oublier le myosotis. Non, absolument. Bon, on s'entend bien là, oui. Oui. Moi, personnellement, je suis pas sûr que vous m'entendez bien, Georges. Absolument, oui. D'accord. Oui, oui. Hein, donc vous soutenez bien vocalement parce que sinon je vous perds et ce serait dommage. Céline et Patricia viennent de Picardie. Ce sont les femmes de Picardie. Alors là. Oui. Une référence pour certains à un feuilleton. À l'époque, c'était un feuilleton, l'homme du Picardie. Voilà. C'est parce que je voyais que Tom ne comprenait pas du tout ce dont je parlais, du haut de ses 23 ans. Ça va bien, Céline? Ça va bien, merci. Alors, vous venez de Picardie, d'où exactement? D'Amiens, à côté d'Amiens. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Céline? Je suis conditionneuse en parfumerie. Conditionneuse en parfumerie. Donc, vous avez de quoi faire autour de vous, j'imagine. Connaisseuse? Oui. Et vous, Patricia? Moi, je viens aussi de la Somme, donc de Flixecourt. Ah, ben voilà. Voilà, à côté d'Amiens. Et c'est pas Amiens, c'est juste à côté. À côté. Bon, Patricia est particulièrement émue, moi aussi, du coup, parce qu'elle a hésité avant de venir. Elle a mis du temps à se décider. 20 et ans. Ça fait combien 20 d'années ans. Combien 20 ans que j'attends. Voilà, ça fait 20 ans qu'elle attend. Ben oui, non, mais il y a une liste, mes enfants, vous pouvez noter 20 ans. 20 ans qu'elle attend. Oui. Et ça en fait des sélections, c'est à cause de ça en fait? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes passé, hop, vous n'avez pas été retenu? Ben voilà. Non, arrêtez. Non, c'est pas non. Vrai, non. Allez, on vous accueille avec grand plaisir, Patricia. Merci. Voici les grilles. Pourquoi? Ah bah alors, bah, allez-y. Hein. Applaudissements pour Patricia, c'est sympa. Les grilles. Un numéro magique. Le 23. Et pour Georges et Laura, ce sera... Georges, il nous a fait un petit style décontracté aujourd'hui. Hein, petit bouton ouvert. Petit à petit, c'est, on commence à s'installer dans l'émission. Premier jour, costard, cravate. Ouais, c'est vrai. Deuxième jour, la chemise, cravate. Et là, tranquille. Tranquille. Donc s'il y a une quatrième émission, surprise. Il n'y aura plus rien. Le numéro 8, c'est le numéro magique. Quel montant de la tirelire, Tom? Il est aujourd'hui, mon cher Thierry, de 3000 euros. 3000 euros à gagner en super partie. Cagnotte qui commence à se remplir. Patricia, nous jouons avec des mots de...
10 lettres. 10 lettres. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec des mots de 10 lettres. Bonne chance, Patricia. Voici. Merci. La lettre T. Tapenade. T-A-P-E-N-A-D-E-S. Trop court. Désolé, Patricia. Merci. On se détend, tout va bien, on commence à peine l'émission. Georges, la lettre bonus. Le A. Transport. T-R-A-N-S-P-O-R-T-S. Tapisserie. T-A-P-I-2-S-E-R-I-E. Bien joué, Laura. Petit Allez-y. Carton quand même, Thierry. Hein. Laura, essayez d'être bien fluide. Ok. Le 46. 46, Georges. Wow. Patricia, allez, vous respirez un grand coup. Et voici la lettre B. Allez, lancez-vous. Ah, un petit mot. Bergamote. B-E-R-G-A-M-O-T-E-S. Boulangère. B-O-U-L-A-N-G-E-R-E. Allez. C'est un peu bloqué, hein, Patricia. Désolé. C'est le trac, ça. Ah ben c'est moi qui suis désolé pour vous, Patricia. Georges, la lettre bonus, la voici, c'est la lettre R. Buanderie. B-U-A-N-D-E-R-I-E-S. Boulevard. B-O-U-L-E-V-A-R-D-S. Brindy, B-R-I-N-D-I-2-L-E-S. Bricolage, B-R-I-C-O-L-A-G-E-S. Ah oui, mais là... Là, vous vous êtes séparés d'une lettre importante. Attention, Patricia, voici une autre lettre importante pour vous. Le E. Bredouille, B-R-E-D-O-U-I-2-L-E. Pas mal, hein. Ah ben ça va mieux déjà. Oui. Patricia. Ça va vous détendre un peu ça, Patricia. Mélangez s'il vous plaît, Patricia. Le 23 vous attend, c'est le numéro magique. 21. Céline. Le 11. Eh bien c'est à vous de jouer, Céline, avec la lettre A. Amoureuse, A-M-O-U-R-E-U-S-E-S. Arboricole, A-R-B-O-R-I-C-O-L-E. Allergique, A-2-L-E-R-G-I-Q-U-E. Qu'est-ce que... Arbitrage, A-R-B-I-T-R-A-G-E-S. Arbitrante, A-R-B-I-T-R-A-N-T-E. Alors, bon, ça c'est une erreur, mais on va rappeler vraiment au public. Non, non, on ne réfléchit pas à voix haute, parce que sinon vous allez faire perdre la main au candidat, et ce serait dommage. Georges, la lettre bonus. Arbitraire. Allez, Georges. Il n'a pas attendu la lettre bonus, Georges. Ah oui, Laura. Oui, il a parlé trop vite.
Donc, Patricia, je vous écoute. Arbitraire. A-R-B-I-T-R-A-I-R-E. Oui, c'est dommage, mais c'est la règle. Hein. Allez, Patricia, vous mélangez, s'il vous plaît. Vous menez 100 à 50. Le 69. Le 69. Et pour Céline, ce sera le numéro... 43. À vous de jouer, Céline. Nous cherchons un mot de 10 lettres qui commencera par la lettre S. Serviable. S-E-R-V-I-A-B-L-E-S. Soufflerie. S-O-U-2-F-L-E-R-I-E. Respirez un peu, Patricia. Oui. Ah, parce qu'il y a encore un petit peu de temps, donc reprenez au moins votre souffle une fois. Oui. Allez, Patricia. Le 23, c'est votre numéro magique. Si vous tombez dessus, vous pourrez mélanger tranquille. Le 45. Le 45. Céline. Le 35. Le 35. Et nous continuons, Céline, avec la lettre... V. Véritable. V-E-R-I-T-A-B-L-E-S. Végétation. V-E-G-E-T-A-T-I-O-N. Villageois. V-I-2-L-A-G-E-O-I-S. Vagabonder, V-A-G-A-B-O-N-D-E-R. Il y a quelques lettres à replacer au bon endroit, Georges. Nous allons vous aider en plaçant le U. Vaguelette, V-A-G-U-E-L-E-2-T-E. Bien. Bravo, Georges. Vous mélangez, s'il vous plaît, Georges. 26. Laura. Le 32. 150 à 100. Si vous trouvez ce mot, vous égalisez, Laura. Et c'est un mot qui commencera par la lettre P. Pénaliser. P-E-N-A-L-I-S-E-E-S. Georges, vous avez laissé passer les 8 secondes. Attention, Patricia, la lettre bonus, la voici. C'est un R. Permission, P-E-R-M-I-2-S-I-O-N. Plantation, P-L-A-N-T-A-T-I-O-N. Persifleur, P-E-R-S-I-F-L-E-U-R. Plénitude, P-L-E-N-I-T-U-D-E-S. Pernicieux, P-E-R-N-I-C-I-E-U-X. Très bien. Et oui, Céline, c'est le mot que nous cherchions. Voulez-vous mélanger, Céline, s'il vous plaît? Le 5. Alors, là, ça devient intéressant. Le numéro 3, Patricia, rapporte 100 points. Le 53 également. Le 23. Alors, ça, c'est le numéro magique.
Donc c'est plutôt pas mal ce numéro, parce qu'il vous reste encore 3 boules noires. Alors je ne sais pas s'il servira, on verra ça dans un instant. 200 à 100 pour l'instant, Tom. Et ce sera le dernier mot, donc il est pas mal ce numéro magique. Alors le dernier mot, il est pour Céline. Et c'est un mot qui commencera par un C. Cajolerie, C-A-J-O-L-E-R-I-E-S. Campement, C-A-M-P-E-M-E-N-T-S. Chercheur, C-H-E-R-C-H-E-U-R-S. Crapuleuse, C-R-A-P-U-L-E-U-S-E. Charcutier, C-H-A-R-C-U-T-I-E-R. Crapahuté, C-R-A-P-A-H-U-T-E-R. Voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette première partie. Victoire douloureuse pour Patricia, mais victoire quand même. Merci. Patricia, Céline, 300 points et on applaudit Georges et Laura qui vont nous quitter. Après 3 jours passés en notre compagnie, nous avons des cadeaux à vous offrir. Georges, Laura, les voici. AvantQuest Software vous offre des logiciels pour apprendre l'anglais, réparer et nettoyer votre PC, ainsi que 100 euros de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Allez, de quoi faire vos propres boissons. Voilà, à vous. SodaStream est heureux de vous offrir la Dynamo SodaStream, machine et saveur concentrée pour créer simplement vos boissons pétillantes chez vous. Oui, j'invente rien. Créez vos propres boissons pétillantes à la maison. Merci Georges, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci. À bientôt Laura, oui. Je me sauve parce que nous sommes attendus en super partie avec une jolie cagnotte aujourd'hui, 3000 euros. A tout de suite. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur motus.france2.fr. Et pour nos prochaines sélections, retrouvez-nous le samedi 22 juin à Paris, le mardi 25 à Chambéry, le mercredi 26 à Valence et le jeudi 27 juin à Grenoble. Alors n'hésitez pas et composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou rendez-vous sur motus.france2.fr. La Picardie est à l'honneur aujourd'hui grâce à Patricia et à Céline qui vont tenter de gagner 3000 euros. 3000 euros, ça fait 20 ans que vous attendez ce moment-là, oui, Patricia. Absolument. Donc il faut en profiter. Oui. Donc là, on respire, on se détend. Oui. Concentré à fond sur les mots de 10 lettres. Vous avez 5 minutes et 30 secondes pour en trouver 10. Voilà. Très bien. Je vous souhaite bonne chance, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Volumineux. V-O-L-U-M-I-N-E-U-X. Perfection, P-E-R-F-E-C-T-I-O-N. Perforante, P-E-R-F-O-R-A-N-T-E. Excellente réponse. Plantation, P-L-A-N-T-A-T-I-O-N. Ouvrez le jeu. Plénitude, P-L-E-N-I-T-U-D-E. S. Plénitude, P-L-E-N-I-T-I-D-U-D-E. Ah ben alors, une perforeuse. Perforeuse. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E. R-S. Boulanger, B-O-U-L-A-N-G-E-R-S. Blondinet, B-L-O-N-D-I-N-E-T-S. Broutille, B-R-O-U-T-I-2-L-E-S. Décapitant,
D-E-C-A-P-I-T-A-N-T. Eh ben. Décapsulé. D-E-C-A-P-S-U-L-E-R. Maintenant, M-I-N-T-E-N-A-N-T. Médicament, M-E-D-I-C-A-M-E-N-T. Médiéval, M-E-D-I-E-V-A-L-E-S. Modérateur, M-O-D-E-R-A-T-E-U-R. Deux minutes 35. Gaminerie, G-A-M-I-N-E-R-I-E-S. Gourmande, G-O-U-R-M-A-N-D-E. S. Gourmande, G-O-U-R-M-A-N-D-E-S. Giratoire, G-I-R-A-T-O-I-R-E-S. Gentil. Pardon. Glandeur, G-L-A-N-D-E-U-R-S. Ça passe même pas. Pardon. Voilà, gémologue. Traitement, T-R-A-I-T-E-M-E-N-T. Transversal, T-R-A-N-S-V-E-R-S. Pardon. Transvasé, T-R-A-N-S-V-A-S-E-R. Une minute. Cajolerie, C-A-J-O-L-E-R-I-E-S. Charcutier, C-H-A-R-C-U-T-I-E-R. Coutumière, C-O-U-T-I. Pardon. Coutumière, C-O-U-T-U-M-I-E-R-E. Cosmétique, C-O-S-M-E-T-I-Q-E. Je suis désolée. Rutabaga, R-U-T-A-B-A-G-A-S. Trop Oula, court. Comme vous y allez. Comme vous y allez. Restituer, R-E-S-T-I-T-U-E-E-S. Restituer RES. Non, bon, d'accord. Ratiboisé. Ratiboisé. Oh là là. Je l'avais trouvé. Je ça fait 20 ans. Je faisais des signes, ça, je faisais ça, je faisais ça à Céline. Ratiboisé. Mais on comprend. Bon, je pensais que c'était mort. Hein. Bah, oui, Céline, Patricia. Elle est désolée, Patricia. Oui, mais soyez oui, pas oui. Désolée. Attendez, c'est pas évident. C'est, on n'est plus à la maison, là. Non, tout à fait. Vous êtes sur le plateau de Motus et c'est pas aussi facile que ça. Non. Des mots de 10 lettres en plus, on va vous applaudir déjà, Patricia, Céline. Merci. Donc nous allons passer à une cagnotte de 4 000 euros, ce qui devrait, c'est fait pour vous détendre tout ça. Oui, tout à fait. Hein, ça va vous relaxer. Voilà. Hein, parce que vous allez revenir. Oui. Voilà, et je vais en profiter avant de nous quitter pour vous rappeler que France Télévisions et France 2, bien sûr, s'associent à la journée mondiale du sang qui aura lieu le 14 juin. Voilà. Et j'espère que vous serez là la prochaine fois pour suivre les aventures de Patricia et de Céline. Bonne journée. Bienvenue sur Motus en ligne. Vous voulez jouer et affronter des champions de Motus? Vous voulez tout connaître de l'émission et nos rendez-vous en région?
Vous voulez vous entraîner? Vous êtes prêt à jouer? Alors un seul endroit, une seule adresse, france2.fr.